tirer les problèmes, faire pas adorer, mais on va mettre tout de côté, on va adorer l'esprit vérité. Merci pour moi qui campé, servante qui accompagne nous, mon Dieu, musicien nous, merci pour offrande, mon Dieu, et merci, merci pour toute bagaille. Maman, arrivé, Seigneur, nous attendre des messages, paroles, mon Dieu, l'amour va passer. Dans la serviteur de mon Dieu, l'issue même c'est gloire au bajaïn ali, afin que cela qui vient décourager, besoin de parole, par joigne au bagage, mon Dieu, on va parler la caillou. Béni moment ça pour nous, avec nous, Seigneur, nous comptons sous présence, sous couper au bon ça, parce que nous bonnes nous dignes, mais nous prenons le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Papa Pchita. À présent, nous pouvons aller Pasteur Schubert dans le message de la parole de Dieu. Parce que nous disons que la palière. Bon Dieu bénis-nous, Frère Maxonio. Bon Dieu bénis-nous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur. Pour miséricorde envers nous. À ce moment-là, nous disons bon Dieu merci en pile. Et pour j'ai moi des sentiments depuis hier. Et même jeudi, la santé n'a pas fini bon même. Parce que bon grippe qui a frappé nous dans le juste arrière, poussière. Il frappe nous sévèrement. Et prier bon Dieu, et bon Dieu fait grâce, moi là, à soya avec au papa pour l'action. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Parce que mon côté arrivé, je pense que je ne peux pas parler même. Parce que gorge là, il a fait mal. Et ça fait deuxième voyage nous par bon ici. Et m'a dit bon Dieu merci, m'a félicité aussi qui fait gros effort ça. Parce que nous sommes, j'étais là dans le 50e an. Alors ça n'a pas de possibilité pour nous dans l'espace là parce que tu as posé céramique. Et ça te fait que c'était dehors, nous t'ayons. Et nous voyons que vous faites un gros travail. Et nous encourageons, nous félicitons pour ça. Normalement, c'est Schubert, Marc-Aurel Grissot. Mon famille, là, c'est Grissot. Moi, j'ai gagné deux petites, mon marié. Moi, c'est pasteur qui a dirigé l'église des dieux, Union des rachetés. Qui est dans mon repos 42. Et nous avons activité tout pendant ce maintenant. Ça fait que nous n'avons pas de déplacer en grand nombre. En grand nombre, nous avons déplacé environ 5. Et nous avons un peu de monde qui connaît habité, merger, etc. Et nous n'avons pas de là avec nous. Nous avons des gens qui sont là avec nous, font camper. Tout petit, les gens qui l'ont, il faut camper, les gens qui accompagnent nous. Il y a camper, nous sommes capables. C'est eux-mêmes qui font le déplacement avec nous. Nous disons merci, M. Chita. Nous bénissons, mon Dieu, pour eux qui font le déplacement. Et le texte que nous avons prêché, c'est un texte assez intéressant. Éphésiens 6. Verset 10 à 18. Et pendant des jours, nous attendons des prédicateurs qui intervenaient sur le texte. Et c'est un texte qui est très profond. Excusez-moi, ma faute est virée ventilateur à tout petit. Vraiment, j'ai fatigué moi. Je ne suis pas capable de comprendre ça. Et c'est l'apôtre Paul qui adressait l'exhortation à l'église Éphèse. Mais je ne sais pas, même Jean Jésus était confiné. Apôtre Paul utilisait des figures, c'est-à-dire imagées, pour faire passer le message. Par exemple, il y a un texte, juste avant nous continuer, il y a un texte que l'apôtre Paul utilisait.
c'est 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. On a remarqué que je n'ai pas fait l'étude texte parce que c'est le cas de l'en faire déjà, qui c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Mais on a pris texte avec moi qui dit souffre, 2 Timothée 2, verset 3 à 7. Souffre avec moi comme un bon dispensateur de Jésus. Il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Paul, on peut trois catégories de mots. Image Paul présentée. Premièrement, il présentait les soldats, comment soldats doivent comporter. Deuxièmement, il parlait de athlètes là, qui n'ont pas concourant, si que ne pas comporter selon le règlement, ça n'est pas bon pour lui. Troisièmement, il parlait de monde qui travaille la terre, qui doit faire ça avec patience, le travail dur, avant que lui joigne un code. Pour qui ça, Paul, utiliser l'image, ça, une finalité assez par l'autre bagaille, c'est pour rendre clair le message, pour faire passer le message, ça que vous voulez partager avec le peuple que l'a communiqué. Ça me met dans le 7e verset, il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et quoi ça, bon Dieu a bonne compréhension, et la bonne intelligence afin que nous capables de comprendre tout bagaille. Frère Axelio, nous-mêmes, il y a un là qui fait un pile jour, il y a un garçon de quelques jours, ça capable de vivre parce que je suis très long, environ 41 jours, en fait. Il y a un pile monde qui tombe des paroles, mon Dieu, mais qui vient en bénéficier, bien faire parole. On dit amen, notre frère Axelio. Moi, quoi ça? Parce que parole, mon Dieu, c'est là, c'est la vie. Côté parole, mon Dieu, il a annoncé la paix, de la joie, de la vie. Et ma tout ça, c'est une grâce, c'est une faveur que vous jouez dans Dieu, mon Dieu, qui permet que vous-même, vous capable là, à soi, pour vous tendre parole, mon Dieu, et pendant tout jour, et jour, cap, vigno. Parce qu'il y a des gens qui ne gagnent pas chance. Je l'ai dit, la vie chrétienne, c'est un combat. Un combat de la foi. Un combat permanent. Jean Temna l'a dit. Temna dit, on prend tout ça bon Dieu pour nous pour nous faire ça. Pour nous gagner bataille. Ça veut dire que les chrétiens, ils doivent être conscients pendant que y a vivre comme chrétien, y a un combat permanent. Et combat ça, adversaire ça, et l'adversité qui existait entre nous-mêmes avec un ennemi, il pas commencé pas daté aujourd'hui, ni hier. Son bagage commençait depuis dans le ciel. Satan, nous connaissons l'histoire là, a été orgueilleux, tête vient gonfler. Et il est venu attaquer mon Dieu. Et ça qui passait, il était précipité. C'était désobéissance qui fait ça. Mais Satan, tellement méchant, il dit moi-même seulement, pas perdu avantage de privilégio, même à attaquer la création. Bagaille que mon Dieu fait, et plus spécialement nous-mêmes l'homme. Et nous connaissons là dans Genèse 3, là, expliquer comment Satan pral utiliser ruse, séduction, les pral permettre que l'homme tombe dans la rébellion, même genre avec lui, dans la désobéissance. L'objectif de Satan, c'est attaquer ce qui est la volonté de Dieu. Et la fin, ça part tous les moyens.
Gagnez un texte que nous lisons, c'est Apocalypse 12, verset 12, dit parole ça. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que qu'il a peu de temps. Tendez bien, oui. Fin fait, a dit cela, l'éternel Dieu, précipitez-lui. Et parole dit, malheur à la terre, parce que Satan lui tombait avec une grande colère. Habitant la terre, il a un problème. Mais ça me met dans le texte là, et quand il dit, mais il connaît que tu t'en as pas en pile. Mais les Satan précipité parmi toutes créatures qui gagnent dans la création, mais une créature qui intéresse en pile, qui c'est l'homme. Pour qui ça? C'est parce que l'homme créé comme un formation à l'image de Dieu. L'homme semblait à bon Dieu. Tellement c'est vrai, il dit même les anges pas qu'il y a plus d'importance que nous-mêmes, l'homme, d'après la parole de Dieu. Et David criait pour dire dans Psaume 139, verset 14, il dit bon Dieu merci parce que bon Dieu fait une créature comment? Merveilleuse. Satan prend jaloux de nous-mêmes. Satan prend pavlé ouais nous. Et Satan va dire fort les attaquer. Et c'est vrai, non, et Genèse 3, Satan va utiliser une âme que le gain qui puisse en pile, qui se ruse. Et il va attaquer l'homme vraiment. Il rentre dans le jardin, il joint avec Ève. Et Satan va séduire la femme. Et il va mener la femme dans la rébellion. Et homme, tout qui c'est Adam. Et l'homme pral connaît échec. Ça, c'est l'homme qui pral arriver dans face ça. Mais bon Dieu, lui-même, dans l'homme, dans la miséricorde, lui fait un plan de rédemption pour moi-même avec vous. En vérité, si ce n'est pas plan ça, moi-même avec vous, nous pas tape là. Ça fait que moi très fier et je souhaite vous gagner le même comportement, toute solution à problème ça. Lorsque nous lisons dans Colossiens 3, verset 14, 2, verset 14 à 15, il dit belle parole ça, que moi mets en pile. Il a effacé l'acte dans l'ordonnance, les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. On dit alléluia. C'est raison ça qui fait que nous avons crié haut et fort. Oui, nous pas n'importe qui nous avons pris qui payait pour nous. Mais nous connaissons. Malgré Jésus-Christ, il vit Satan le diable, il vit les démons, malgré tout, il vécu, à savoir le diable, mais son adversaire qui vécu, mais qui actif, qui continue à se faire fort toujours, mais dans ce qui a fait proportionnellement à nous-mêmes, qui c'est l'homme, puissance qui dépasse la capacité de nous-mêmes comme humains. C'est une raison qui fait que, en dépit de connaissance nous gagnons de ça, Jésus-Christ fait Satan, mais la Bible enseigne nous de prudent à adverser ça, parce que l'hypocophine détruit l'air. C'est ça qui fait que nous lisons dans le texte qui c'est 1 Corinthiens 15, verset 24-26, il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, à savoir Satan et ses acolytes, car il faut qu'il
qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Gagnons-le pour Satan, éliminer comment? Net. Pour bon Dieu finir avec Satan, net. Mais ça, pour vous faire. Mais Satan fait un bagage, il utilise ruse et autre. Je songe que y a une doctrine qui t'a partagé dans l'année passée, côté conservateur, pasteur, qui te reconnaît dans le carrefour, qui est venu en parole, il y a Satan déjà, il est mal, Satan, il met Satan dans la toilette là, il dit Satan va être puissant, Satan va être faire. Vous connaissez Ruiz Diab, la formation. Si il dit il y a Satan déjà, il met Satan au côté, on ne peut pas prudent encore. Comment bien ça me dit, hein? A dit Satan inactif, Satan va faire rien encore, sauf façon même pour parler. Et bagage a prôné pendant longtemps, les amis ça a partagé parole ça et mettez les gens dans la rue qui était quoi dans lui-même et a propagé parole ça. Mais parole bon Dieu assuré, les mandés pour les mains avec vous, nous devons prudence. Ça fait que, il dit en attendant ce jour, l'église est engagée dans un combat sans merci. Pendant qu'on joue ça, qui joue pour ça, pour éliminer net là, mais l'église doit engager dans un gros combat. Et là, dit l'église, c'est qui est? C'est moi-même. C'est vous-même, n'est pas ça? Peut-être qui ça? C'est pour que l'église, là, même avec nous, nous capables d'édifier, et nous capables de proclamer l'évangile, et nous capables de glorifier mon Dieu. Nous devons armer. Nous devons connaître chaque jour, mon Dieu, nous dans le combat, nous dans la bataille. Moi-même, raison, c'est parce que il y a des gens qui te croient que, au jour où on a passé, bon Dieu, pas une victoire déjà, je me tape tout à l'heure, on n'a pas besoin de bataille encore. Mais tel ça, rappelez les chrétiens, les frères acteurs, pendant longtemps que, chaque jour nous devons armer, chaque jour nous devons connaître, nous n'avons combat. Et, pendant que nous cherchons à conserver le royaume de Dieu, nous proclamons l'évangile, nous glorifions mon Dieu, Satan, le diable lui-même, qui s'est fait chaque jour la bataille contre nous. Et moi, après nous, ça, à soi, nous n'avons pas de permission pour attaquer le diable. Ce n'est pas l'objectif de ça. D'ailleurs, depuis au commencement, c'est le diable qui vient attaquer nous. Mais nous avons une permission pour faire ça, pour nous défendre qui ça, royaume, pour nous défendre patrie noire, qui c'est royaume Jésus-Christ. C'est ça que nous faisons. Quand il y a là, il y a quelques interventions que nous allons faire, il y a quelques mondes que nous allons sauver, mais là nous devons savoir que ça nous devons faire. Nous devons agir. Mais le premier objectif, ce n'est pas attaquer le diable. Mais puisque le diable attaque nous, qui ça l'a fait, la joindre, j'aime de comme dire, joindre, il n'y a pas ça. Mais nous pas gagner tant que j'ai aussi des pour la fin de ouais bagage ça devant gamin qui sorti ici quand vient le quand l'enragé de tellement de ça à faire oui il y a le chasse diable non nous pas gagner mission ça mission nous c'est chercher l'homme qui perd Dieu mission nous c'est l'une édifier l'autre en dedans l'église là mission nous c'est glorifier qui est bon Dieu mais comme ça c'est pas connait comment t'as réussi ça encore. Il n'y a pas besoin d'attaquer lui, mais je que nous lis dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit belle parole ça. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que Satan nous pas invité, nous pas besoin de faire rien. Mais la parole de Dieu montre que Satan a fait en nous chaque jour. L'a fait en nous, l'a tourné. Mais qui ça a besoin? Il a besoin de l'heure pour lui atteindre. Puisque c'est chaque jour, l'a fait en nous, l'a attaqué nous. Nous-mêmes, ça nous devons faire chaque jour, comme action. Nous devons armer nous. Nous devons être vigilants, pas ça? Nous devons être prêts. C'est ça, oui. Pour les gens qui ont dormi, pour les gens qui n'ont pas de parole, ça bien avant, pendant le jour, ça pendant tout le jour passé, dans le temps des paroles, ça
nous connaissons que bagaille pas aussi facile, bagaille pas aussi simple. C'est important. C'est ça qui fait que yon chrétien qui connaît que c'est chrétien lié d'abord, il doit être conscient. Premièrement, il doit être conscient. Il doit être conscient que premièrement, il c'est des ou bien c'est un soldat. Chaque chrétien qui l'a, c'est yon qui ça. Yon soldat. C'est sa parole, mon Dieu dit nous. Automatiquement, on accepte Jésus-Christ comme sauveur. Et maintenant, on vini yon sort, yon soldat de Jésus-Christ. Faut nous armer l'esprit nous à parole ça. Nous sommes soldats Jésus-Christ. Parce que nous faisons partie de l'armée Jésus-Christ. Nous faisons partie du royaume bon Dieu, Frère Maxime. Ça veut dire que nous ne parlons pas de qui monde, Frère Maxime. Nous sommes un monde qui est spécial. Parce que d'abord, nous sommes petits bon Dieu. Et bon Dieu, remplis-nous avec autorité, remplis-nous avec pouvoir, livrez-nous des soldats qui pour défendre le royaume. Après que nous sommes conscients que nous sommes soldats, nous sommes conscients que nous sommes en guerre, nous sommes en bataille. Mais il faut que nous ne parlions pas de bataille n'importe comment. Il faut que nous soyons capables d'identifier qui est. Identifier l'ennemi. Il faut que nous identifions l'ennemi. Il faut que nous connaissions qui est l'ennemi capable de faire. Par un pays qui prend le bataille ou l'autre pays, il ne peut pas gagner une estimation de l'armure, de l'arsenal, les armes que le gagne avant que l'on demande l'autre la bataille. Il faut que nous puissions identifier l'ennemi, la stratégie, évaluer. C'est ça qui fait que lorsque nous lisons verset 12 qui est dans Éphésiens chapitre 2 et Éphésiens 2 et qui est Éphésiens 6 verset 12 là, il dit parole ça, Éphésiens 6 il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez, etc. En campé là. Mais contre adversaires que notre bataille là. Nous ne parlons pas de bataille contre qui est, contre personne, contre le monde. Mais nous connaissons notre bataille contre qui est, le diable en action. C'est lui-même qui adversaire principal. Il faut que nous soyons capables identifier adversaire. Adversaire, ça qui c'est le diable, lui gagne des caractéristiques. D'abord, si on a souligné, tu as essayé de souligner trois caractéristiques. Adversaire, ça, lui gagne, ça fait que tu as dit tout à l'heure, il faut que vous connaissiez à qui est sur la bataille. Premièrement, pour le monde qui a ignoré l'adversaire, la vie, c'est un adversaire qui est puissant. Il est puissant. Et c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit les puissants et les méchants. Troisièmement, les rusés. Les puissants, les méchants, les rusés. Ça veut dire que son adversaire formé bien. C'est vrai que le guinois ne peut pas faire face à face à lui, pas attaquer. Si la n'est pas comme un cas victime, mais la cherche une façon quand même. La cherche un moyen pour lui vaincre. C'est pour ça, il y a un monde qui n'a pas identifié l'adversaire là, il y a un monde qui n'a pas préparé, monde ça capable de victime. Et il y a une stratégie qu'il utilise, il peut utiliser ruse, il peut utiliser séduction, il peut habituer à accuser, ça fait que il est comment accusateur. Il persécute le monde. Nous songez une grande période dans la vie. Ah, le diable, mais c'est dans dormir, moi je vois attaque ça aussi tout, et puis il va venir paraître physiquement, matériellement. Je me souviens qu'on l'a, pendant que je dormi plusieurs fois, moi j'ai eu un combat, une lutte que je menais. Lutte là, c'est des esprits qui ont bataille. Mais toujours vaincu. Et puis je me souviens qu'on l'a, et puis moi dans la machine, pendant que je dormi, moi dans la machine, et puis la machine a couru. Et puis, tu vois, pourquoi je vais après ça, puis je suis à côté. Et puis, je suis à côté, je vais pousser. Et puis,
dit, monsieur, pour qui soit poussé comme ça? Il dit, non, je ne vais pas coller avant, bon problème. Il dit, comment bon problème? Non, mais on t'a dit, avant, c'est comment fait-il me pousser là? Puis même, vous êtes excité. Mais l'excité, comme si moi, pas la machine encore, c'est atterri, et puis moi, pousser les cheveux. Il vient donc, mon Dieu. Et puis même, vous êtes tombé, fâché, là, joué. Il dit, seulement, on a comme, tout est passé, on a bon problème. On a fait ma nuit. Et il était toujours par le dit, je suis passé maintenant à Moulaka ou maintenant maman pour me persécuter. Et puis, je suis dans la machine, mon dame, je suis moi dans la machine. Et puis, moi, je suis dans la machine, elle dit, moi, ou pas besoin d'occuper. Ou pas besoin d'occuper. Quittez là. Et puis, effectivement, la machine a déplacé avec nous, on a dit, moi, la dame, et puis, quittez monsieur à terre. C'est pour montrer que Satan n'a pas besoin de chercher, non, il faut pas ou pas besoin de nous, non. Mais la chercher persécuteur quand même. Ça m'a donné là, c'est vrai, oui. C'est important. Diable, il utilisait tout moyen pour lui attaquer petit bon Dieu. Mais face à un tel comportement, Satan gagne face à petit bon Dieu. Qui comportement nous-mêmes nous devons gagner. Premièrement, dans le même texte là, dans verset 10, verset 10 dit, nous devons fortifier nous dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 10. On nous regarde le texte là. Il dit que nous devons chercher force qui bon. Non, Seigneur. Peut-être qui ça fait l'action. Pas oublier nous sommes tout à l'heure. C'est un adversaire qui est puissant. Puisque puissant, proportionnellement, nous devons armer nous avec une puissance qui plus est plus élevée que lui-même. Qui va nous faire une puissance là? Non, Seigneur. Le texte là est clair. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous devons chercher force dans le Seigneur. C'est rester dans la présence de bon Dieu. Nous songeons dans Romains, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Lorsque Jésus-Christ a pu discuter, disons ça, et il a raconté l'histoire là, le texte là dit que nous avons gagné, si nous avons l'évangile là, mais il faut que nous ayons bagaille qui c'est la puissance. Hein, de l'Esprit Saint. Peut-être qui ça? Ou pas capable de faire travail ça sans qu'on pas fort, sans qu'on pas puissant. Parce que l'on va faire face avec adversaire qui est puissant, ou même faut qu'on réponde. Ça fait que, il y a un chrétien, avant qu'on mette toutes les armes sous, on doit chercher la puissance de Dieu. On doit armer, on doit demander mon Dieu grâce pour puissant, pas n'importe qui monde. Il y a un chrétien qui est faible. Eh bien, la vie est facile devant Satan. Ça fait que vous avez quelques chrétiens qui vacillent, tantôt ou elle, tantôt pas ou elle, et tantôt tenter de tomber dans le péché, parce que les faibles. Mais à ce que la parole de Dieu, exhortez moi-même avec vous, nous devons chercher force nous. Dans qui est-ce? Dans bon Dieu. Deuxième chose, non seulement nous devons fortifier nous, et parole de Dieu montrer nous face à l'adversaire qui est si puissant, qui est redoutable, nous devons à habiller nous avec qui ça? Avec Zam, bon Dieu. Les nous lisent, Zam, les nous énumérés, nous avons un nombre de 6. Et bon, qui nous dit, on lit un livre, ça fait longtemps, qui considérait la prière dans verset 18 là, étant comme un Zam tout. Et comme si Paul ne mettait pas comme un Zam apparemment, mais c'est un Zam qui est très puissant. Premier Zam là, Paul parlait pour que nous soyons capables de faire face, pour que nous soyons capables de river cette bataille là, c'est la vérité, frère Maxime. La vérité pour qui ça? Pour ceinture. Et vérité qu'a parlé là, il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est vérité qui sortit dans la parole de Dieu. Vérité, ça, il convainc moi. Il convainc nous pour dire que, où est mon même avec vous? Nous, ces petits bon Dieu, nous pas perdus, nous pas condamnés, hein? Encore. L'aime si vous avez vérité, ça dans même adversaire, là, mettre vous une porte qui flèche, ça c'est bagaille pas lui parce que moins qu'on est ça qui est vrai. Attendez bien. Vérité, c'est d'abord, c'est d'autres spirituels, ça. Moins qu'on est, moins pas n'importe qui monde, moins pas n'importe qui monde, moins gagner vérité que bon Dieu les bail. Et vérité, c'est à tout. Lui, ma chère, la foi, lorsque je vois l'agir, je me dis oui, je crois qu'au nom de Jésus, ça, Jésus dit, c'est vrai, et c'est ça qu'a fait.
Jésus dit, c'est petit bon Dieu, moi dis oui, moi c'est petit bon Dieu. Jésus dit, moi sauvé, moi dis oui, moi sauvé. Et vérité ça, il n'a pas sens tout de sincérité, il n'est pas seulement spirituel. Mais un chrétien qui dit, il est chrétien, un chrétien qui dit, un soldat, parole, il doit la vérité, pas ça. Chrétien qui parle, chrétien qui parle pour nous rendez-vous, pas qu'il va parler n'importe quoi. Comment? Il doit vrai dans ça que la fait. Il doit véridique. Pas oublier, il y a une âme Satan utilisé contre chrétien, contre moi-même avec vous qui c'est mensonge. Et lorsque nous lisons dans Jean 8, 44, qui ça dit? Satan c'est qui ça? Satan c'est papa qui ça? Mensonge. Satan c'est menteur. Et depuis le jardin, j'aurais Satan utilisé pour séduire mon nom. Le mensonge. C'est mentir, bail. Satan arrive à mentir sous mon Dieu. Il dit, bon Dieu, fais mentir. Pour le cas arriver à séduire Adam avec Ève. Satan c'est menteur. Nous-mêmes, Zam nous est contre. Zam ça, Satan gagnant, qui c'est la vérité. Avec dire que les chrétiens parole doué la vérité. Parole sale dit à bouche. Moun doué quoi la donne. Ça fait que mon parole, il y a plus fois que moun qui mal interprété. Quand il dit malheur à moun, qui pourrait non moun. C'est sa parole de Dieu dit. Mais attention, moi m'a dit un bagage. Je ne suis pas chrétien pour me parler à moi. Je ne suis pas d'accord avec moi. C'est chrétien mien. Moi, j'ai la vérité dans moi-même. Ça qui passe, c'est l'information. Mais là, je ne dis pas, vous pouvez croire, pas vrai? C'est important, ça, je dis là. Parce que c'est important. C'est une première âme que nous devons mettre sur nous. Nous devons prendre pour mettre sur nous pour nous gagner la bataille. Nous devons, ça, je dis, nous devons être vrai. Et nous devons croire dans la parole de Dieu. Deuxième âme, dans l'armure, c'est grâce de la justice. Qui c'est le deuxième âme? Curace là, c'est qui ça lié? Curace là, c'est ça nous parle de gilet par balle. Donc on va être sous police aujourd'hui. Et c'est très bon, c'était une image que tu as présenté. Époque, les Romains qu'on a habillé, c'est différent. Avec le temps moderne, ce n'est pas même bagaille. Parce que eux-mêmes, nous connaissons l'Antiquité, bagaille longtemps. Mais pour nous, c'est l'autre bagaille, c'est gilet pas balle. Parce que ce n'est pas même âme qu'à utiliser. Mais curieux, il était là pour protéger soldats, ni devant, ni derrière. Pour protéger organes vitaux, soit que les poumons, les foies, etc. Et justice là, c'est un élément qui est très 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 important comme âme pour chrétien, pour croyant, capable de défendre contre adversaire. Justice là, d'abord, il sortit dans Jésus-Christ. C'est la première chose que je voulais souligner. Parce que à travers Jésus-Christ, nous justifions. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Assurez-nous, tout qui l'a, nous tout qui croit dans mon Dieu, nous déclarer comment? Juste. Moi, je crois que moi, c'est juste par la foi. Deuxième bagaille qui parlait de justification, non seulement nous juste à travers Jésus-Christ, mais moralement, moi, nous sommes juste. Ça veut dire. L'homme fait un jugement, moi, nous fait bagaille avec justice. C'est vrai, moi, justifié en Jésus-Christ, mais notre tout comportement moins doué juste. C'est justice ça qui a fait que moi dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que nous justifiés moi-même avec vous, nous juste. Qui ça Satan fait contre Zamsa Nguyen? Satan qui s'est accusateur, qui ça le fait? Parfois, il voyait de faux messages, des flèches sur nous-mêmes pour dire que, ah, je vais me battre corps. Ou à vous-même, ah, pour pécher ce que tu fais là. Mon cher, si nous sommes un bail valu, il crée la caillou esprit de culpabilité. Il fait encore quoi que, arrive quoi, mon cher, pour ça me faire tellement grave. Il est tellement mal, pas besoin de mon Dieu. Dans notre doctrine déjà, on a besoin de nous. On sait de groupes,
qui existait, et puis il y a des gens qui disent là comme ça, avant ça passé. Ou un péché au fait, péché ça va y pardon. Pas même besoin de bon Dieu. Bon Dieu vous écoute sous don déjà. Quand vous avez besoin de pardon, bon Dieu finit avant déjà. Mais pas pour côté de la Bible, non, c'est ça pour Maxime. Et pas vrai, non? Pas pour côté de la Bible qui dit que les chrétiens font péché, même les repentis, pas fait pardon. Non. Non. Péché, qui ne va pas pardonner, je vous dis, c'est lorsque vous n'avez pas voulu repentir, même, n'est-ce pas ça? Jusqu'à ce que la mort prenne, il perdit. Mais quel que soit le péché que tu as fait, depuis que le conscient de péché a repenti tout, bon, vous voyez ce qui s'est passé, les justifie. Nous devons dire, bon Dieu, merci pour ça. Parce que c'est une bagaille qui est des moins. Nous disons, bon Dieu, merci. Parfois, on fait, ouais, tout le monde l'a fait, ouais. Et il y a un monde qui ne dit pas péché, la vérité va dans lui. L'aime font péché. Et puis, malgré mon Dieu, avec un pile d'humilité, je finis de prier. Je finis de prier, je me sens confesser, je me sens délivré. Je me soulage. Parce que, ouais, non, cura ça, qui c'est la justice. Je ne dis pas, ouais, ça n'a pas de monde qui a condamné. Parfois, ça va me faire ça. Ouais, ou même, ou papa, rien. Il y a des gens qui font ça pour déclarer sur lui. Saint-Tel, pas qu'il doit rien. Frère, tel, pas qu'il doit rien. Mais il faut dire, non, Jésus, parole ça, ou anathème. Parce que pas de condamnation pour petit, mon Dieu. Troisième examen, nous dit c'est bon, là, c'est chaussure que nous devons mettre dans le pied. Nous connaissons chaussure là, qui permet que chaussure que les soldats ont mis, il pas même bien en fait, n'importe quel soulier. Son chaussure spéciale, qui permet que pion pas glisser, qui permet que même leur pile piquant, pas piquer. Et bien, chaussure ça, pour qui sont mettés, c'est leur aller en mission. Son chaussure, lorsqu'on prend sauver petit bon Dieu, et puis on met lui, lorsqu'il y a adverse dans ta pression ou avancer pirette, lorsqu'on t'a regardé devant un pile roche, un pile bouteille, mon son bouteille, un pile piquant, ça n'a pas empêché que ou avancer. Et je dis, chaussure, ça, c'est une bonne disposition qu'on gagne pour prêcher la parole. Satan, quand vous voyez du courage sur vous tout, il fait que, on a passé, travail, sa job soit fait, il faut camper sur lui pour commencer à décourager. Parfois, il faut même arriver au côté même, il fait ou pas le mal pour qu'il ait vague. Je change mon serviteur, c'était dans mon repos. À 36, c'est l'abdé habité. Pas de jour levé, zone 5 heures, pour serviteur, ça va prêcher l'évangile. Et l'église là, pas trop loin là, quand il y a une dignité persévérée, il y a une remarque que tu fais, ça t'est plus marqué l'esprit. Dimanche matin, qui s'est fait lever. Il prêchait dimanche matin, après il finit de prêcher dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Par contre, je ne vais pas prêcher. Et même dimanche, je dis à dimanche, il va à l'église, il prêche avant la l'église. Et vous sentez son monde qui a un cœur pour faire travail ça. Et des grands frères encore dans la zone, plus nous avons un frère Marco, depuis une jeune garçon qui a prêché l'évangile. Et bon Dieu m'a encouragé, pas de chance de suspendre, faire travail ça. Parce que tu es armé pour faire travail ça. Pas oublier comme soldat, c'est ça fait que nous devons armer nous faire action. Non seulement nous devons protéger tête nous, mais nous devons protéger qui est l'autre monde tout. Nous devons chercher moins qui perdure. Mais pour aller chercher aussi, pas préparer nous, nous sommes victimes. Par conséquent, nous devons armer nous. Nous devons mettre chaussures dans les pieds nous. Ensuite, c'est ça que le bouclier de la foi, bouclier, c'est ça que nous avons en vitre qui nous met un policier. L'hôtel n'est pas comme ça. Il était comme fait en métal lui-même. Mais le bouclier est là pour ça. C'est pour empêcher lorsque vous tirez roche, lorsque vous tirez flèche à l'époque sous le soldat, et bien l'aile pas par le bouclier, roche a frappé dans le bouclier. Et roche n'a pas atteint ou non, ou bien flèche là. Pas atteindre soldat. Le plus souvent, à l'époque, flèche qu'on utilisait, qu'on mettait du feu dans la flèche, ça, non seulement pour lui atteindre soldat, mais pour brûler soldat. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Soldat qui a armé, il y a un bouclier, lorsqu'il fait la venir, il barre. C'est ça, la foi fait comme ça dans la vie croyant. Il y a une flèche, soldat, vous voyez. Il voyait là avec tout message pour lui dire, vous connaissez ce qui passe, jeune soldat, vous quittez madame la caillou, vous quittez petite la caillou,
quitte le combat, ça, suspend la bataille. C'est ça qu'il faut appeler dans l'église, c'est la bataille bien. Ils arrivent là, ils prennent en ruse, diable, et bien ils ont abandonné le. À soya, nous devons utiliser les âmes, ça, qui c'est bouclier, qui c'est la foi. La foi dans qui est actionnée d'abord, la foi en Jésus-Christ. Et sans la foi, nous ne sommes pas capables de battre efficacement. N'a pas découragé. Et lorsque le moment terrible va présenter devant nous, lorsque le moment difficile pas de l'argent va présenter, nous arrivons là et nous disons, waouh, bouquet de bagaille ça, ma baille vague. Et c'est une bagaille, ma pas courage, nous sommes là et nous parlons maintenant de l'église d'île. Et tu vas courir derrière vous. Soit au bon poste, occuper l'église, votre travail va faire pour mon Dieu. Et puis, il parle de pas qui moi, soit adversaire, il ne va pas adversaire dans tout le monde qui est en face ou. Soit qu'il y a des difficultés ou pour, il faut que tout dise comme ça. Mon cher, vous avez passé et je ne suis pas abandonné, je ne suis pas vague. Moi, je ne suis pas comprendre le monde, moi, je vais quitter ça. Depuis que je vais quitter ça, je vais utiliser le thème, je vais quitter ça, je vais pas vague. Son façon pour obéir à l'adversaire. Pas bien pour qu'il y ait la foi, il doit connaître les chrétiens, il doit battre malgré ça, pas facile. Et, gagner, je vais te dire, gagner ça, les accusations. Que Satan fait pour qu'il faut perdre la foi, pour que il y a de la conscience, il veut faire que vous abandonnez. Et nous connaissons la foi, il renverse les plus fortes quoi, murailles formationnelles. Les gens qui ont la foi, pas de côté pour passer. Cinquième avant de terminer, c'est saluant. Quatre saluant, je vais regarder un film. Il y a beaucoup de soldats qui sont en guerre, qui bataille. Et puis ils ont couché, et puis ils ont cassé la tête. Et puis ils ont montré que il y a un soldat, ils ont tiré dans la casse là, comme ça. Cartouche a fait ping dans la casse là. Et puis les cartouches ont frappé dans la casse là. Et puis monsieur senti par la vie, monsieur retire la casse là pour garder côté cartouche a frappé. Pendant qu'ils ont tiré la casse là, et puis ils ont tiré la cartouche dans la tête. Tenez bien. C'est la casse qui a protégé la tête. Mais si Kassa vous voulez faire peine, vous voulez Kassa la baille, Kassa en son casque qui fort, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quitter lui. Dans monsieur a retiré pour le garder et puis il a atteint. Ça veut dire que Kassa lui doit toujours plus bon. Ça veut dire, comment ça veut très simple. Après, pour nous, on a fait dire que mon cher, vous avez passé. Seul, est-ce qu'on sauve? Ah, ma garde pour moi. Ma fée est fort, non, fort, fier. Et puis cette petite bonne journée, me dit oui, me sauver. Jésus vient à soi, me sauver. Il vient demain, me sauver, pas ça? Mais il ne faut pas faire ça même avec coquin, non? Il y a des coquins qui disent sauver, ils ont sauvé net, puis on est au fait. Puisque Dieu sauve, sauver net, ils tombent dans toute malpropreté. Quand on comme ça, qui aux États-Unis, qui n'ont pas qu'à notre pays, quand on sait des vagabonds, qui ça a fait, ils ont dit ils ont sauvé. Il y a une parole qui dit que il y a un salut, il y a assuré, et puis il y a deux femmes, deux maris, il fait tout le monde pour te dire parce que il dit sauver. Non, loin de là. Le monde qui dit sauver tout le monde, c'est le monde qui est dans la volonté qui est. Volonté de Dieu. Quatre salut, c'est ça le fait. Il dit que oui, vous pouvez me sauver, pas un rien qui a retiré dans le qui est. Non, mais bon Dieu. Si nous ne gagnons pas les âmes, nous allons nous décourager, nous perdons la bataille là. Parce que Thème dit, on mette sur nous toutes les âmes, mon Dieu, pour qui ça? Pour nous gagner la bataille là, pour nous gagner le combat. Enfin, il y a une autre âme, c'est l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Il y a un monde qui ne parle pas de parole, mon Dieu. Il y a un monde qui n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. Ah, bagala grand fou. Moi, je connais des gens qui font fou. Non, manque de connaissance de la parole de Dieu. Des gens qui connaissent, ils ont fait convertir, ils ont arrêté chita, apprendre la parole de Dieu. Eh bien, les gens jouent dans la tête. Non seulement ils ont dérouté, ça va adresser à dérouté, faire quitter l'église, et sous parole de l'église, ils ont dérangé. Dérangé. Moi, je suis je suis un groupe, je suis un groupe, et ils tout quitté. Et tout était ça gaspillé là, vous paquet de jeunes filles, jeunes garçons. Groupe ça. Qui s'est passé? Yo prend parole la tête en bas. J'aime yo parler dans l'église, je vais prendre la parole. Quitte toute bagarre pour suivre Christ. Non seulement yo parle l'école, et yo pas fait rien comme bagarre pour gagner vie,
chaque jour, yo bon espace, yo réuni à prier seulement, quitter toute bagaille pour mon Dieu. Ça c'est manque de connaissance de la parole de Dieu. J'ai mon serviteur parce que Marie était dans pièce à tout. Maria là, Maria pas de travail, Maria pas de travail et Maria pas de faire commerce. Et bon, là, fait commerce, Maria dit quitter Kaila. C'est Satan qui envahit. Il dit non. Et puis Maria dort dans l'église. Parce que c'est maintenant faire commerce, parce que c'est pas faire volonté, mon Dieu. C'est manque de connaissance. Et puis, dans le groupe Maria, il voulait faire fête. Et puis, il voulait faire fête là. Et puis, au moins, des chats pour bailler. Ça allait pour vous, $50 seulement. Hein? 250 gouttes. Et puis, il voulait pour tout bailler. Maria va rester 250 gouttes là. Et puis Maria vient dans le canal et dit, chérie, on va vendre 550 gouttes là pour te. Madame dit, ah, comme ça, quand même. Oui, c'est ça. Et elle laisse tomber, oui. Et puis, au moins, réalité, on fait face à Venis. Lève le bâton de parole, mon Dieu. Femme que ce mot aussi, c'est pour l'été, la caille, mon Dieu. C'est gros âme, ça, c'est une baguette, elle est. On a fait une fête d'été. On a fait une lèvre, Dieu dit nous à gauche, nous a fait à droite. T'as l'air de dire que je vais venir avec vérité. Nous avons fait comme ça, une église, après combien de temps nous parlons, nous avons fait une lèvre, nous avons fait une lèvre, nous avons dit, oh, elle si je viens avec vérité. Oui, c'est ça, on dit. Parce que vous n'avez pas de connaissance, parole, mon Dieu. Mais par-dessus tout, Dieu nous dit que c'est la prière, pour que nous soyons capables de battre là, qui c'est la prière. La prière, nous devons utiliser la prière en pile. Nous devons prier. Ah, frère Maxime, on arme nous avec Zamsaï. Et chrétien, tout, non seulement Zamsaï, mais l'on paraît sous soldat chrétien, mais soldat Jésus-Christ, qui a quelques caractéristiques que l'on doit gagner. Il y a un vrai soldat, c'est un soldat, c'est un monde qui vigile, c'est pas ça? C'est un monde qui vigile à capter tout le temps. C'est un monde qui est obéissant. Il y a un monde qui tendait lorsque le maître lui parlait. Y a un monde qui gagne humilité, ça c'est vrai soldat. On a terminé là pour avoir une bonne illustration, ça qu'a fait depuis 20 à 30 ans. Depuis que j'ai ça, c'est parce que mon Isbel qui était bas illustration ça dans l'église côté de ça fait longtemps que ça a fait une trentaine d'années. Et pas de doute de ça. Et depuis là, j'ai une illustration ça la tête moi des soldats même. Il y a un soldat qui est humble. Il a expliqué que ce soldat, c'est un jeune soldat qui est enrôlé dans l'armée. Et puis il est enrôlé. Et puis il est fait rentrer. Et puis le monde qui sous-tête, il y a un seul haine contre lui-même. Il n'a pas voulu, monsieur. Même si c'était un chrétien que lui. Tout ça ne se fait pas bon pour le chef Lia qui t'a dirigé là. Et puis, monsieur, par contre, ça vous fait mon le chef la parole et dit, comment ça se passe? Ou pas, parlez vous. Je suis tellement parlé, même moi, je me pose des questions. Qui ça fait parler, je ne vais pas expliquer. Et puis, il parle, je suis vrai. Même si ce n'est qu'à prier, mon Dieu, pile qui est dans l'humilité. Mais tout ça, chef, il fait, qui normal, il fait. Et puis, il était partagé, même dortoir, même espace, il était dormi. Et puis, bon, là, il est sorti, un jour dimanche. Il est sorti dans l'académie, il y a le pareil. Et puis, pendant qu'il est sorti, il a pu tomber. Et puis, mais, il est sorti tout habillé, botté dans le pied. Et puis, il est rentré, tout le pied, on a la bouffe. Et puis, monsieur arrivé avant, soldat arrivé, jeune soldat arrivé avant. Il retire une botte, il mettait dans le coin, il retire la lit. Et puis, il mettait la sec sous lui. Et puis, il mettait à genoux, et puis, il a prié avant le dormir. Et puis, pendant la prière. Et puis, chef l'a rentré, chef l'a ouvert à genoux. Chef l'a tellement pas voulu, monsieur, pendant que tu as prié, c'est en train de la manger. Et puis il retire une botte là, bout par là, il voyait le sous-monsieur. Comme c'est chef lié, comme si monsieur arrive à dire, il peut prendre une botte là, il fait même bien deuxième, même bien sale, monsieur avec la voix. Et là, vous volez sous carman, et jeune soldat. Et le soldat va dire, hein, il prend une botte, monsieur, il même côté à côté, et puis il prend un drap, il retire là, toute la boue, il met un autre drap, et puis il couche. Le matin, monsieur levé très tôt, il prend tous les deux bottes, ni par là, ni par chef lié. Monsieur prend un bail, il nettoie, il retire toute la boue. Monsieur prend, et comme on a dit là, l'eau noire, tout le bagage, il s'y est éclairé. Pour l'aide de voiture, il est éclairé. Puis pour votre patron, le chef là, il mettait le bon carbone, le chef là, il met le palan en place. Et puis, monsieur Chita, il y a la cour.
Et puis le chef l'a levé, le chef a passé l'idée, mais qualité bonne, ça n'est pas bon dia. Non seulement bon dia, ça fait là hier soir, mais bon dia, vous en plus, ça. Regardez, bien quel est ce bon là. Mais pas de deux mots qui l'a, pas de l'autre qui l'a, c'est moi avec monsieur, c'est monsieur qui fait ça. Et puis là, je dis, il y a un soldat qui chita, jeune soldat à recruire. Et puis il dit, t'as, je vous bagaille, on n'a pas besoin de tout. Sans nous gagner, on va gagner tout, comment faire sans autre comme ça? Pour ça nous faire, et ou toujours, ou pas j'aime riposter, qu'on a gardé ce qu'on fait. Qui est-ce qui fait comme ça même? Ou pas normal? Et puis le soldat dit, c'est un monde qui fait comme ça, mon ça a été Jésus de Nazareth. Et puis le chef l'a dit, mais ta jeune lui dit, eh bien, bon, moi, mon ça tout. Parce que mon ça, il faut pas n'importe qui. Et le jeune soldat a prié avec le chef lui, et puis le monsieur le chrétien, il a fait deux bons amis. Mais qui sont là? On va essayer l'humilité qui mène le chef là à la repentance. A dire comme soldat, ça va pas dire le même chef, c'est un chef qui est arrogant. Mais si m'arrogant contre qui est-ce? Contre le diable. Même pas d'humilité contre qui est-ce? Contre le monde pareil. Ça veut dire qu'il faut identifier l'ennemi. À ce moment, je souhaite que mon Dieu fasse nos grâces pour l'action. Je souhaite que mon Dieu continue à encourager nous. Que bon Dieu continue à renforcer l'esprit nous et permettre que Zam Sayo, que lui offre nous à soi pour nous mettre au sous nous. Non seulement mettre au sous nous, ce n'est pas pour un petit temps, mais c'est tout le temps. Il faut nous dormir, lever avec Zam Sayo parce que l'adversaire nous a dit à jamais dormir. Pour n'importe qui l'a, il fait face avec nous pour être capable de faire lui au nom de Jésus. Et pas oublier, j'aime chanter à grand l'air. Nous va réjouir, nous va recevoir couronne de gloire. Que bon Dieu bénisse.